belle danse. Il mord pas. T'arrives. Tiens, on te dort jusqu'à midi, que papa y travaille. Mais c'est pas de notre temps, on n'aurait jamais fait ça. Jamais. T'as vu le pétard qu'elle a, cette nana? Elisabeth? Tu la connais? Un joli sourire. Je suis toute seule. Moi aussi. Tu peux y avoir? Ouais. Kamel, la police, hein, puis vous allez dégager, hein. Non, je veux pas le droguer chez moi. On va me coucher. Viens ici. C'est pas comme ça que tu vas passer ton bac. Pink Floyd, pas un truc de ta génération. Non, mais t'es moi, con, je veux écouter Bob Marley ou je sais pas, un autre truc, tu vois. Je t'ai toujours aimé, tu sais. Enfin, je crois bien que nous deux, ça n'aurait pas été. Tu crois pas? Au moins de faire l'amour, hein, ça me fait excuse. Oh, Bernard, écoute des bêtises. Tout sérieux. Mais c'est votre travail, mademoiselle. Ah oui, c'est mon travail, c'est mon travail. À ce moment-là, je vais ouvrir la boîte de biscuits pour voir si elle a pas mis quelque chose dedans. Mais pourtant, j'en ai marre, moi, j'en ai marre. Mais je m'en vais, je dégage, j'en ai marre de cette boîte. Moi, ça me fait chier de redoubler. Je sais pas si je continuerai. Et puis, y a autre chose, particulièrement en philo. Puis, au chômage ici ou là-bas, c'est la même chose. Moi, je quitte le bahut, j'en ai marre. Ce que je regrette beaucoup, c'est de pas avoir continué mes études, tu sais. Après mon bac, j'aurais pu être bien, peut-être styliste, je sais pas, n'importe quoi. Ferme ta gueule, toi. Elle va se manger ses mains, elle. Regarde son nez, Caroline.